Est-ce qu'on peut pousser nos cris de joie? Come on. Alléluia. On s'allie zambé, zamba ma coquille.
eloko nini olemba na ngwe utamo kili eba anda na likambo nyonso ozanga jamai soliso eloko nini oloba esalema te yango na epa na yokolo osalelanga bikamwa na yo soki ebembongango ekoki te ozata elemo ekimia na motema na nga yawe nae 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 malade nini yo biki sakate mbobola nini yo sini sate mbobali nini yo boya ye amale mwasi nini yo boya ye amota mwana kelasi nini yo boya ye asimisa esale mate mwana kelasi nini yo boya ye asilisa esale mate e na yo kate ama yango na ye mpa na yokolo osalelanga bikamwa na yo soki pembongango ekoki te otata elembo ekimia na motema na nga yawe yango nasengi na Naï la lèle, Léo, Polo et Suez, Longi Sangae, Nazana Posana, Polo et Suez, Nazana Lèle, Polo et Suez, Longi Sangae. Long is on my long is on my big is on my Nazana posana yo, kolo yeswe, longi sangae. Na bele liyo, kolo yeswe, nasengi na yo, kolo yesu, besa kimia e, kote la mae. Makolala libanda po na yo. Yes. Na mwaki bokasi ya bolenge na lole. Na ekoluka yo nzamba mosindo. Zoka kuzwa nzambe futa makoleka kuzu ya mokili. Na mwana mota nkota mote na bambiosa bimana sida. Na mwana mota nkota mwata bimana kuita zododo na gene.
et bon mon an en présent de la mena comme manani Yahweh 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 Nazo meta zomi manangole lo Yahweh Yahweh simplement amen. Amen. Alléluia. Come on. Yeah.
banza me fa fa. Me voici dans ta présence. Quelle joie de vous retrouver encore dans One Acoustic 3.0. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour manifester la joie? Parce que quand même, on a besoin de la vie, surtout lorsqu'il faut s'exprimer en musique. Voilà, c'est One Acoustic 3.0. Ici, il y a l'expression de la musique, mais aussi nous vous offrons un tout petit moment particulier avec les artistes que vous aimez. Alors, rapidement, quand même, je ne veux pas vous laisser avec beaucoup d'impatience. Aujourd'hui, on a deux frères, le frère Nelson Kikem, que nous aimons beaucoup, et le frère Prince. Bienvenue dans One Acoustic. Merci. Merci. Comment vous allez? Très bien par la grâce du Très-Haut, et puis voilà. Vous soufflez déjà. Hein? Oui, ça va. C'était chaud, hein, le live. Vraiment, par la grâce de Dieu. Je commence par le frère Nelson. Oui. On dit quoi? Ouais, d'abord, je vous dis merci et je salue tout le monde qui nous suit à ce moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on était là juste pour libérer quelque chose de la part du Seigneur, pour bénir son peuple à travers cette émission One Acoustic. Donc voilà. On précise 3.0. 3.0, avec beaucoup de précision.
Avec beaucoup de précision. Hein? Ouais. Frère Prince. Moi également, je suis très béni par ces passages. Nous sommes porteurs d'un message, c'est vrai. Au courant de l'émission, nous allons essayer de partager avec les formidables personnes qui nous suivent. Mais c'est vrai que nous avons passé des véritables moments de célébration. Et voilà, moi, ça me touche et je bénis Dieu pour ça. En duo, en collaboration seulement, vous chantez depuis longtemps ensemble? Au fait, on a un projet et c'est ce projet qui nous amène à partager des moments forts de la musique. C'est pour cela que nous sommes ensemble. Mais en fait, ce que je peux dire, nous sommes le combattant, nous sommes de soldats du Christ. Et nous sommes là, na armé mon kokaka pour que juste tout gagne ma âme. Voilà. Et cette fois-ci, nous avons bien pensé que de le faire ensemble. Et puis, voilà. Voilà quoi. Et on te doit adorer ensemble, en duo, en collaboration. Mais sinon, je précise que on partage déjà des moments ensemble. Hein? Oui. Ne vous en faites pas. Bon, on sent la complicité. On sent quand même que c'est bien de servir le Seigneur ensemble. On est bien seul, mais bon, on va quand même plus vite lorsque on est accompagné, et surtout que c'est pour une lutte, et surtout que c'est pour le Seigneur. Alors la question, elle est quand même assez partagée. Vous allez répondre, quel style de musique exploitez-vous? Parce que là, on a vu l'adoration, on a quand même vu des compositions, notamment du frère Nelson Kikem, une chanson d'ailleurs que le peuple de Dieu aime, qu'ils vont sûrement écouter, qu'ils vont adorer, et aussi... C'est une chanson, certaines chansons qui nous ont été chantées aussi par le Frère Prince. Alors, quel style de musique? La même chose? Ou bien vous essayez d'évoluer assez différemment? En fait, pour moi, je veux dire, je suis d'abord un adorateur du Christ. Je suis un évangéliste, je veux dire. Et je suis en train d'évangéliser la musique. Alors, le style là, si je m'inspire avec... d'autres sons, je veux dire, qui a eu inspiration dans son mot, oui, n'a qu'au pratiquer style. Alors, je suis polyvalent, je veux dire. Vous savez qu'avec tous les styles, style, nuance, tout, je peux faire quelque chose du bien pour passer un message de la part du Seigneur. C'est un peu ça. Donc, je suis polyvalent, je veux dire. Pour moi. Frère Prince, lui, ouais. Il est polyvalent. Toi, tu es polyvalent aussi. Au fait, moi, j'aime bien ou la rumba. Ou c'est comme on est amis, non, on non, est frère. Moi, j'aime bien la rumba. Moi, j'aime bien la rumba. Moi, j'aime tout. Et je dis, c'est, la rumba, c'est d'abord mon style de musique, comme tout Congolais aussi qui se respecte. Mais je me bats pour faire aussi autre style de musique. Voilà. Compositeur aussi Ouais, j'écris moi-même. J'écris moi-même et je donne même, j'écris pour les autres, voilà aussi. Seigneur, ton Esprit Saint, nous quittons la pour combattre et pour
Mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire.
Opesa kanga ikimia Yesu. Tango yo simba kanga. Naloboko na yo. Zambe nanga. Yo kiti sakanga motema. Tango nga na yo kakayo. Namona kayo Yesu. Namote mananga. Namona kayo Yesu. Namote mananga. Lisolo amote ma. Iyanga ina yo. Ebanda ki uta. Nagolo kota. Lisolo amote ma. Iyanga ina yo. Ebanda ki uta nga yo yo. Nazwa ba deception ya mokili. Les hommes sont infidèles. Y'a que Jésus qui est fidèle. De génération en génération. Du père au fils. L'histoire d'amour. Yanga ina yo. Banda ki uta. Nagolo kota. Tu as tout donné, Seigneur. Tu n'as rien gardé pour toi. Oh, oh. Tu as tout donné. Zamenanga yango. Oh,
beteli batute na bomina motema oyebi yango lisolo na ngai na bomina motema na beteli batute oyebi yango na betelo Nabetelo maboko ya motema nanga Nakanga makasi Sambe nanga Lisolo motema nanga Oyebi yango Bolingwa motema nanga Ezali yo Yesu Motema nangai Oyebi yango Bolingwa motema nanga Ezayo Yesu Ango Dans la carrière musicale, ça fait combien de temps? Je suis là depuis beaucoup d'années. Mais je n'ai pas encore, comme Louis, hein, je n'ai pas encore un album, lui en a déjà. Mais j'ai des chansons que j'ai écrites, j'ai des chansons qui ont déjà pratiquement évolué. Et je crois que ce sont... il me reste quelques temps pour voilà, mettre sur le marché un Frère Vincent, dans la carrière n'est plus à présenter quand même, si on veut connaître sur toi, on a qu'à taper sur YouTube, sur les réseaux sociaux, oui. Vincent Kikem, mais t'es plus quelqu'un à chercher, oui. Mais dans la carrière musicale, ça fait combien de temps déjà? Ça fait plusieurs années, hein, que je suis là. 100 ans, ouais. 100 ans. En fait, je commençais la musique à l'âge de 10 ans. 10 ans seulement. Ouais, depuis là. Et en faire une carrière professionnelle. Je commençais chez notre papa Patrice Ngoïmsoko, que je salue à passant. Donc que papa, nous saluons Patrice, tous d'ailleurs. Que Dieu bénisse papa et ma mère et puis voilà toute la famille Moussoko. En fait, je fais 9 ans avec lui.
C'est un peu ça. J'ai commencé ma carrière professionnelle avec Papa Patrice Ngomiso. C'était en 2006. Et puis, je débutais ma carrière. Solo. Solo. Et c'était en 2013. Donc, c'est ça. Alors, on vous a quand même vu faire une chanson ensemble, notamment. L'Isola et Motema, vous l'avez chanté comment vous seul? Oui, seul. Si vous pourriez nous raconter, c'est votre propre composition? Oui, justement, c'est une chanson. J'étais en train de. J'étais avec lui et j'ai chanté cette chanson. Il a aimé, il m'a dit waouh, c'est une très belle chanson. On l'a fait tel qu'on l'a fait et puis bon voilà, donc jusque là on est en train de bien très très bien le, pas encore fini. Le préparer. Oui, on encore. on a lettre, voilà. Lettre on l'a quand même ouais. Fini hein. Oui lettre, mais on est en train de parler de l'Isola Motema, c'est pour cela que j'essaie un peu d'intervenir pour dire que on n'a pas encore fini, donc moi dans Wazana na berceau. Donc, tout le monde sait, on va pas me percer, moi, un peu. Voilà. Puisqu'on parle de Attends. Collaboration, de ensemble, alors y a-t-il quelque chose qui va naître de cette collaboration? Bien sûr. Justement. Des chansons, hein. Donc, chansons vous attendez seulement. Voilà. Alors, y a-t-il un projet des en chansons vue qu'on a fait du frère, que le peuple de Dieu doit attendre du frère Nelson Kikem et du frère Prince Mala? Un projet qu'on attend? Oui. Que vous êtes venu nous présenter? Oui. En fait, au-delà de ces deux chansons que nous sommes en train de faire au studio avec lui, on a un projet qu'on a intitulé Kinshasa t'adore. Kinshasa t'adore. Justement. C'est quoi Kinshasa t'adore? Kinshasa t'adore, c'est un projet où nous voulons rassembler les adorateurs. Donc on prend tout Kinshasa en un seul lieu. Où on va, parce que Kinshasa est quand même grand. Hein. Justement. Quelles sont les dispositions voilà. que vous allez prendre quand même pour que Kinshasa, que tout Kinshasa puisse adorer le Seigneur? Voilà, nous allons commencer. Nous avons réparti ces projets par district. Nous allons commencer par les districts de la Tchang. Oui. Et les sous-thèmes, ça s'appelle Tchang t'adore. Et puis, après cette phase-là, nous irons au district de Mwamba, Lukunga, il y a beaucoup de districts à Kinshasa. Hein. On a voilà. Déjà dit. Et à chaque district, on va dire Lukunga t'adore. Le sous-thème, c'est Lukunga t'adore. Le grand, c'est Kinshasa t'adore. Alors, comment est l'organisation de Kinshasa t'adore? Puisque vous commencez par Tchangou, déjà Tchangou c'est quand? Comment seront les manifestations? Et ce sera gratuit? Comment arriver? Ça sera où? Et quelles sont les dispositions que la team est en train de prendre pour que tout Kinshasa puisse non seulement adorer le Seigneur, mais bien adorer le Seigneur? Ok, nous sommes en tournée dans pratiquement la majorité des églises à Tchangou. Et ensemble avec les églises, parce que nous travaillons en collaboration avec les églises, ensemble avec les églises, nous allons fixer une date pour Tchang t'adore. Et juste après cette phase, nous irons dans différents districts pour également travailler ensemble avec les églises de chaque district. Et je termine, d'ailleurs je vais chuter par dire que à la fin de cette tournée, nous allons maintenant faire Kinshasa t'adore. Au fait, ça sera sanctionné par un concert d'ensemble qui va réunir les amis avec qui nous avions eu à partager le podium dans différents districts. Frère Nelson, hormis vous deux, y a-t-il quand même un groupe où vous allez collaborer, vous collaborez déjà avec les autres musiciens, notamment ceux des districts où vous allez faire ces manifestations? Effectivement, nous avons un groupe de jeunes que toujours travaillent ensemble avec eux et pour ces grands projets. Donc, nous sommes très, très, très bien organisés pour ça. Donc, il y a des gens que nous sommes là et même, pourquoi pas, B1 acoustique. One Acoustique 3.0, Siverio Silicon. Voilà, le grand patron, hein, faut quand même le saluer de temps en temps. Oui, le grand patron, que Dieu bénisse. Vraiment. Je l'aime tellement, il est humble parce qu'on a droit à gloire, parce que l'humilité précède la gloire. Donc c'est juste que tout le monde travaille dans Bango et puis
nous ont invité P. Nous invitons aussi d'autres personnes au bas la pousse à P. Bah, mais qu'un peu pour soutenir Bisso par rapport à projet O. Nous sommes là réellement et puis donc P. Ça va contacter Bisso pour que bah, bah, oui, vous pouvez déjà ouais. Donner les contacts. Numéro la Bisso et à contacter les Ali, piste des 143 90 43 00 585. Piste des 143 90 43 00 585. Donc, c'est ça notre numéro. Réellement, sur Facebook, on peut déjà Facebook, voir le frère Nelson Kikem sur YouTube aussi. Oui, YouTube Nelson Kikem Power TV. Frère Prince, vous avez aussi un compte réseaux sociaux? Je suis, il n'y a pas longtemps, je suis sur YouTube, sur Facebook. Prince Mbala officiel. Prince Mbala officiel, voilà. Ils ont la haute prophétie. C'est la lobby caca. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir l'émission, aussi avoir les nouvelles au fait de Kinshasa T'adore, du frère Nelson Kikem et aussi du frère Prince Mbala, vous pourriez tous les retrouver sur les réseaux sociaux ou bien être en contact avec One Acoustic. Nous tenons à rappeler que toutes ces émissions et celui-ci aussi, hormis être diffusé à B1 Télévision, seront aussi disponibles dans notre chaîne One Acoustic sur YouTube. Alors, okay. Un message, un mot de la fin, un appel, comme ça, on va rester béni avec la musique. Oui, hein, nous sommes d'abord bénis. On tient à vous remercier énormément. Merci à vous. La grande équipe qui nous a accompagnés, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bon. Merci du fond de nos... De nos cœurs. Merci. Ma bourreza, merci. La bénédiction pour nous, le temps. Merci. Vraiment, je. Oui, vous pouvez continuer, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il multiplie en vous les initiatives, les Amen. Idées, mais qu'il vous rende aussi riche. Hein. C'est très important, la richesse. Hein? Amen. Voilà. Parce que je voulais aussi contribuer ma bénédiction. J'aimerais bien que Ténèbres et à. Monguna Bongisa qui prend la B1 acoustique et tirer l'entente parce qu'elle a même dit ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Lorsque la bénédiction de Dieu ou écoutera prison mais bimi ibanda pharaon à l'autre tiens mais moutoua portera bénédiction à bimi dans la prison mais bénédiction n'est que bête à tour, c'est à dire que bénédiction à bino et que bête à tour n'a pas pensé à bateau bal n'a qu'au soutenir moussala pour que bas soutenir bino. Amen. En tout cas, j'imagine là où Sivier, il est déjà très content et nous tenons vraiment, vraiment à vous remercier. Et One Acoustic, nous serons toujours là pour vous recevoir et surtout de nous faire encore baigner dans votre musique qui est déjà très bon à écouter. Surtout, vraiment. Et Marabisoma Musika Musika. Alors, vous revenez quand vous voulez. Très cher public, vous pouvez suivre les informations du frère Nelson Kikem aussi dans One Acoustic. Pour tous ceux qui veulent passer dans One Acoustic, nous sommes là. Vous pourriez juste contacter les numéros qui passent. Alors, c'est déjà la fin. Est-ce qu'on peut quand même dire déjà au revoir par nos acclamations? Alors, merci. À très prochainement. Nous saluons la grande équipe. On a déjà parlé du réalisateur. On a Gaylor Soukama, on a Mardoché Mwanda qui nous a pris les photos. Merci. Et toute la grande équipe, vous êtes très nombreux, ni qui était au son. Merci. Et vous êtes très nombreux. Alors, à très bientôt dans One Acoustic. Merci. Yeah.
Merci.